super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou les loulous. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui. On espère que vous allez aussi bien que nous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Surtout une nouvelle dégustation. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait plus fait. Oui. Vous nous l'aviez demandé très souvent. Ouais. C'est vrai qu'on en a fait au début. On avait un peu arrêté. Et là, on va recommencer pour vous une nouvelle dégustation. Alors, par contre, ce sera une dégustation assez spéciale. On n'a pas commandé sur Internet. Et on a acheté. Voilà, on est allé au magasin de Nîmes, asiatique. Japonais. Et non, c'est asiatique, il y a un peu japonais, coréen, vietnamien et tout ça. Et on a pris des choses, c'est le monsieur qui est très gentil là-bas qui nous a conseillé différents produits pour découvrir un peu de nouvelles saveurs. Alors, qu'est-ce que nous avons alors? Nous avons à boire, à manger, du salé, du sucré. Alors, à boire, voilà. Donc, ça, vous connaissez, ça, c'est japonais. Alors, ce sont des petits sodas. Alors, là, on a orange. On a quoi encore, Corentin? Fraise. Fraise. Ici. Et ça c'est melon, voilà. Donc on a 4 gouttes différentes. Et bien sûr, vous aurez vu que le papa nous a rejoint pour cette nouvelle expérience parce qu'il n'a jamais fait de dégustation avec nous. Et d'ailleurs, il a un peu peur, donc mettez des petits pouces vers le haut pour le papa qui a un peu peur de cette dégustation parce qu'il n'aime pas manger ce qu'il connaît pas. Ensuite, alors ça c'est pour les boissons, on va les mettre de côté. Attention, ouais, attention le goût. Alors là, nous avons, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est du salé. Alors ce sont des fingers. Ouais, des Pringles au goût sauce soja. Alors, on n'a jamais goûté. Alors, on n'a jamais goûté tous ces produits. On avait au goût du miel. Alors, ça, voilà, ce sont des crackers au miel. Alors, on ne sait pas du tout ce que c'est. Hop, ça, ce sont des petits pois au wasabi. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, au miel de guêpe. Ouais, c'est le papa qui avait dit miel de guêpe, c'est de sa faute. Si Océane, elle croit que le miel vient des guêpes. Voilà, papa, il dit des bêtises. Et je l'avais dit dans une vidéo de cacahuètes. Oui, tout à fait. N'importe quoi. Alors là, nous avons des chips aux algues, piment. Et regardez, il y a ça aussi. Voilà, ça, ce sont quoi? Des bonbons au tamarin. Et puis ça, ce sont du sucré aussi, des petites gelées aux fruits. Et on a oublié des petits crackers, des petites chips, je ne sais pas trop, aux crevettes. Hein. Ça, vraiment, c'est pour l'apéritif. On a oublié, voilà. Alors, on va commencer. Alors, c'est Corentin et Océane qui vont choisir à leur tour. Alors, on va commencer par... Corentin. Il s'est lancé le premier. Donc, Corentin, tu vas choisir. Alors, qu'est-ce que tu as goûté en premier? Je laisse faire parce que c'était... Il a déjà passé son anniversaire. Ah oui, bon. N'importe quoi. Alors, par quoi tu veux commencer, mon loulou? Alors, nous n'avons jamais goûté tout ce qui se trouve sur la table. Alors... Le choix est dur. Ouais, c'est dur avec tout ce qu'il y a. Tu veux faire quoi plutôt? Du salé, du sucré, du poisson, du pas poisson? Mais je mange pas de poisson. Je garde pour la fin. Pour la fin. Non, je garde rien à boire pour la fin. Alors je vais prendre ça. Ça. Alors ça, ce sont... Alors apparemment, c'est de la tempura. Alors la tempura, c'est une pâte qu'on fait frire. Tempura, c'est de la pâte qui... Ouais. Et apparemment, c'est à l'algue et au piment. Alors le monsieur m'a dit que ça piquait pas trop, on va voir. Et ça, ça vient d'où alors, comme pays? Alors ça vient de Hong Kong. Donc Hong Kong, c'est au Japon. Donc voilà. C'est japonais. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est papa qui me dit ça. Ah oui? Il l'a dit. Il dit des bêtises, papa. Il dit toujours des bêtises. En lourd, hein? Ah, attention. Oui. M-pokora, il a dit, papa, c'est M-pokora. Nanana, c'est la M-pokora. M-pokora, ma pokora. M-pokora. Vas-y. Bon, ça va? M-pokora. Ça? Ça sent le poison pourri? Non, ça sent pas le poison pourri. Non, ça sent carrément les chips. Bon, on y va, alors on vous servait? Ouais. On sert toujours la plus gourmande, la première servie. Oh, ils sont verts, ils sont périmés. Ils sont périmés. Ils sont tout verts. Allez, papa. Goûte ça, papa. Ils sont périmés, ils sont tout verts. Ça pique! Ça pique un peu. Piment, c'est marqué au piment. Un petit peu, ouais.
Alors, si tu veux pas goûter, Loulou, tu peux laisser sur le côté. Alors voilà à quoi ça ressemble. Je veux pas goûter. Ah, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Alors, c'est vert, c'est pas très appétissant la couleur. J'ai déjà goûté la algue sèche. C'est bon. Ah ouais, j'aime bien. Quand je dirais comment dire. Moi j'aime bien. Tu sais les petits bonbons soufflés là. Moi c'est après, quoi. C'est le goût du poisson. Ouais. Ah oui, ça vient après le goût de l'algue, ouais. Mon poisson. À moi. Bah, c'est pas mauvais. À moi. Non, à moi j'aime bien. À moi. Tu veux goûter? Non. Ah bon, bah, Océane elle va goûter. À moi. Pas, hein. Ah, moi j'aime bien, bah, c'est un peu le goût, tu sais, les. À moi. Tu sais, les belins, là, les gâteaux apéritifs, là, soufflés. À moi, maman. Les 3D, voilà, les 3D. Mmh, ça, c'est bon, toi, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, je suis en train de manger. Ça. Ouais, bah, il aime bien, Corentin. Ça, c'est ça. Super bon. Voilà. Ça, maman, j'ai choisi ça, moi. Ça? Alors, ça, il y a 3 goûts différents, voilà. Alors, ça, ce sont des jolis. Ça pourra passer, voilà. Un peu le piquant. Peut-être un peu plus que 3, non? Alors là, il y a fraises, il y a raisins, parce qu'aux États-Unis, aux États-Unis, n'importe quoi, en Asie, ils adorent manger des choses au raisin et de la pomme. Voilà. Donc, ben, on va goûter déjà, on va goûter un goût de chacun. Hein. Moi, je veux ça. Alors ça vient d'où, ça, déjà? Ça vient de Chine. Voilà. C'est un produit chinois. La japonaise, j'aime ça. Hein. Ne confondez pas la Chine et le Japon. Alors quoi, sinon ça va tout se renverser. Ça. Oh, ça me goûtait déjà la fraise. Parce que regarde à l'intérieur comme c'est tout liquide. Ah oui. Alors là, il y a déjà des petites cuillères avec. On va peut-être en ouvrir qu'un seul, Loulou, pour goûter. On en ouvre qu'un seul, ouais. Hop, on a une cuillère. Bah, prenez une cuillère chacun. Oula, ça coule. Ça coule. Ah. Ah oui, parce que regardez comment ça se présente. Oh, celui-là, il a des morceaux. Il faut une serviette. Bonne serviette. Le problème, c'est que quand tu l'ouvres, mais tous, ils ont des morceaux. Il y a des morceaux, oh, c'est marrant. Les amis, je viens à la rescousse, je suis allée chercher une petite serviette et je vais porter, je vais essayer d'ouvrir. C'est rempli. Mais non, mais il arrive. Ouais, faut y aller tout doucement. C'est parce que moi, j'ai déjà tout fait couler. Ah ouais, papa, il a fait le carnage. Donc voilà, alors. Non, c'est super rempli, hein. Attends. Oh, il y a des petits morceaux à l'intérieur en fait. Des petits morceaux. Alors, je sais pas si vous voyez. Et voilà, à tour renversé. C'est pas grave, la bêtise. Oups là, voilà. Alors on va essayer de goûter ça. Allez, bah là. On dirait un peu le yaourt. Ah, mais c'est de la gelée carrément, de la gelée un peu liquide. Mais non. Prenez un morceau. Hop. Ah oui, carrément, c'est de la gelée. Ouais. Tout collé. C'est de la gelée avec des morceaux. Mais c'est des morceaux de quoi? Eh ben je sais pas. Des morceaux de fraises. Mais non. Hop. Des morceaux de gomme, oui. De chimique. Alors regardez. Oh, c'est pas pratique du tout à manger. Hein. Oh c'est un. Oh. Moi, alors j'y arrive. Ça t'y arrive? Alors, est-ce que c'est bon? Moi, j'arrive pas. C'est très bon. Océane, attention. Pas donné, ouais. Alors, on va donner à Océane parce qu'elle n'arrive pas. Hop. En plus, ça glisse. En plus de couler par. Par carnage. En fait, c'est. Oui, mais tiens, ouais, c'est trop gros. Ouais, bah, c'est pas grave. Ouvre la bouche. Oh. Papa, il va essayer de goûter. C'est puis bon. Moi, après. Alors là, franchement, les amis, c'est pas du tout pratique à manger. Mais bon, ça a l'air bon, non? Non, Océane, non, pas trop aussi. Est-ce que tu aimes quoi? Moi aussi, je goûte un bout du coup. Non. T'adores? On va mettre un petit morceau de fraise. Oh, on dirait un médicament. Ah, lui, il aime ça, lui. Alors voilà. Bah. Voilà. Ouais, hop. Allez, 1, 2, 3. On dirait un cachet. Ouais, on a aimé. Oh, c'est bizarre. Non, pas du tout. La texture, c'est... Ça n'a pas le goût de la fraise hein. Aussi. Mais la texture, c'est tout gélatineux. Ah, ça a le goût de la grenadine, non hein. C'est ouais. Du chimique. Bah, c'est assez bizarre. T'aimes bien, Corentin? C'est très... Hein? Alors, Corentin, il adore ça, apparemment. Ah, maman. Ah, maman. J'ai goûté, mais bon. Mais maman, mais je t'ai dit, il faut que tu choisisses, toi. Bah, attends, maman, on va prendre un deuxième. C'est quoi le carré, là, qu'il y a? Je sais pas, on dirait que c'est un morceau de fruit qui a confit dans la gelée. C'est bizarre, ça croque. Ah. Ça croque et c'est tout juteux. Bah regarde, on va essayer de goûter le deuxième. Ben bon. Où tu vas, Océane? Il y a d'avoir plus de morceaux, celui-là, j'ai vu. Ça. Hein? Ah bah super. Ouais. Oh. Oui. Oh. Alors j'en ai mis partout encore. Alors, on va essayer de goûter. Le mec, c'est trop rare. Ouais, on va essayer de goûter ben, le
Bon, moi, je goûtais juste la gelée, en fait. On va essayer de goûter. Ben, c'est quoi, ça? C'est raisin. Bon. Alors, franchement... Mais voilà, je l'ai eu. Tiens, tu veux goûter? Oui. Oh là là, mais les amis, mais c'est une catastrophe, ce truc. Mais c'est une catastrophe. C'est bon. C'est bon? Ça te plaît? Alors, moi, je vais goûter un bout. Hein. Peut-être que c'est meilleur que la fraise. Hein. En même temps, moi, la fraise, j'aime pas trop. J'aime que le fruit. Et le yaourt, la fraise. C'est tout. Bon. Non. Attends, Corentin, j'ai pas goûté. Ah, ça a le goût des... Ça a le goût des bonbons aux soi-disant raisins qu'ils ont. Ah non, moi, j'aime pas du tout. Moi, j'aime pas. Ça a le goût de la fleur. Ça a le goût de la fleur, hein. Ah. Ah non. Bah, par contre, les enfants, ils adorent ça. Ah non, moi, j'aime pas. Vous, vous validez, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, pour le moment, il aime tout. On va goûter la pomme. On va mettre ça de côté. Ça a le goût du papier. Et la pomme. Alors, je vais essayer de pas en mettre partout cette fois. Enfin, essayer. Imagine, t'en mets pas partout. Imagine. Eh ben, on a mal imaginé. C'est trop rempli en fait. Ouais, c'est super rempli. Puis c'est marrant parce que. Il faut faire un petit trou dedans, boire un peu et. Ouais, je pense, ouais. Alors, on goûte la pomme. Hein. La pomme, elle a un vert. Mais doucement, les enfants. Bien joli, joli. On a une chenille. C'est de la chenille. Oh hein. C'est du wasabi. J'adore ça, moi. Écoutez, j'aime bien. Regarde, tiens, je te le prends. Hop là. Oh. En fait, je crois qu'on aurait dû prendre ça à la fin, la fin de carnage. Hein. Tiens. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mmh, c'est bon. Méga bon. Lui, il a goûté. C'est méga bon, il a dit. Tiens, papa, il va goûter. Ça se casse, ça. Quand on demande de rire, il adore. Non. Papa, il est en train de se battre avec le pot. Océane. Alors, c'est bon? C'est meilleur? Le goût de la pomme, c'est bon, mais après, c'est la texture que c'est tout gelatineux. Ah, bon, la texture me dérange pas trop. Bon. Mais ouais, la pomme, c'est bon, par contre, ça a bien le goût de la pomme. Hein. La pomme est bonne. Ça va pas? Alors, Corentin, tu choisis quoi, toi? Aïe, ça, c'est wasabi. Wasabi. Aïe. Alors, ça, ce sont des petites pois au wasabi. Aïe. Alors, ça, c'est très connu. Et ça, ça vient d'où? Alors, c'est écrit, je sais pas quoi. Thaïlande, voilà, ça vient de Thaïlande. Alors on ouvre ça? Ouais. Papa il a dit mange pas ça. Alors du sucré on passe au sale. Papa il a dit mange pas ça. Monsieur papa il va aimer, il aime bien ce qui pique. Est-ce que ça pique? Ça sent les petits pois. Bah oui, Corentin, wasabi. C'est quoi ça, wasabi? Ah! Ça pique. Ça sent, c'est quoi? La chenille. Non, ça sent la nourriture pour poisson. Sérieux, ça sent le sel. Miam! Yeah. Attention, hein, prenez-en le cas parce qu'à mon avis ça doit piquer le wasabi, c'est une moutarde. Si vous ne connaissez pas, asiatique. Alors c'est une plante dans laquelle. Arrête, mets pas dedans, tu as mis dans la bouche. Une fameuse chenille qui s'appelle wasabi. Voilà. Je veux pas. De ça, on connaissait. Ah ouais. Ouh. On l'a lâché, ça, tu parlais pas. C'était les cacahuètes au wasabi. Ouais, c'est ça. Non, ça, ce sont les petits pois. Ah, voilà. On a lâché les petits pois aussi. T'en veux plus? Ah oui, non. Ça pique, ça pique. Ça, ouais, ça pique, quoi. Ou peut-être que moi, j'en ai moins que tes têtes brûlées. Hein. J'aime pas. Moi, je les mange. Ah, moi, j'aime bien. C'est moins fort que tes têtes brûlées, Corentin. Je te promets, mets dans la bouche. C'est moins fort que tes têtes brûlées, je te dis. Ça surprend, ça goûte, après, vraiment. Les têtes brûlées, c'est force. Moi, les têtes brûlées, j'arrive pas. Ça, oui. Ah, ça, c'est pour moi. Moi j'y arrive au cerveau, du coup j'arrive. Non, ça c'est pas fort, vas-y. Ouais. Non, sérieusement, Corentin. Ça pique un petit peu et après ça s'arrête. Après d'un coup ça s'arrête. Ouais. Alors? Ça a bien le goût de la moutarde ou quoi? Ouais. C'est un peu sucré. Bon. Ça on connaît, mais ça c'est bon par contre. Ouais. Ça, ça, ah, par contre, quand tu te lèches les doigts après. Ça, j'en mange, moi, ça. Ça l'aime bien, moi. T'aimes bien? Ça pique au début là. Alors, bah, Océane, mais... peut-être. Oui? Moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux peut-être boire? T'as dit que t'avais soif. Tu veux peut-être choisir une boisson? Alors, tu veux choisir laquelle? Pour faire passer quand même, je dois boire. Alors ça, les amis, c'est de la ramune. Alors bon, c'est très connu, ça commence à être très très connu. On en a déjà bu, nous, mais des natures. Et là, on apprend vraiment des parfums qu'on ne connaissait pas. Alors celui-ci est au litchi. Alors voilà, ça c'est marrant à ouvrir. Est-ce que c'est moi qui dois le faire? J'espère que je ne vais pas en mettre partout. Oui, si tu veux. Alors, il faut d'abord enlever la petite... Bah, le petit plastique.
Ça va être ma toute première fois que je vais ouvrir quand même. Et une fois qu'on a enlevé le plastique, et ben là-dessus, nous avons une bille. Alors, il faut éclater la bille, la faire tomber pour ouvrir la boisson. Tirez la bouteille. Pour l'ouvrir, hop, il faut déjà se munir de ça, le mettre dessus et appuyer avec ses mains. Attention, avec la paume de la main. Allez, vas-y. Ouf, c'est dur. Par les yeux. Il a peur. C'est vrai que 9 fois sur 10, on en met plein partout. Ah, il prend ma main, d'accord. Oh bah. Même. J'y suis arrivée. 100 mètres partout. Waouh, c'est la première fois. Ah voilà, maintenant c'est ouvert alors. Alors je vais servir Baoséa. Hop, pour goûter. Pour non, n'importe quoi dans le truc parce qu'il y a un bouchon, puis c'est un autre bouchon. Papa, il veut goûter? Un petit peu. Un petit peu. Hop, vas-y, hop, hop, hop. Appuie-moi. C'est bien le litchi. J'aime bien. Ça oh, ça goûte la limonade. Ah, ça sent le papier toilette. Ça sent le papier toilette. Parce que tu sens ça... le papier toilette, toi, t'es bizarre, toi. Ah, oh, ça a le goût du vrai litchi. Tiens, je te laisse, moi. Ça sent ça sent le papier toilette. Tu trouves pas que c'est le papier toilette parfumé? C'est fleur de lotus. J'adore ça, lui. Ah, il est bon, mais par contre, c'est pas beaucoup sucré. Hein. C'est très peu sucré, ouais. Ouais, ah ouais, c'est très très bon. C'est vraiment, c'est light, quoi. Il y a vraiment. Ben, c'est simple, il n'y a pas de rien du tout. Il marque. Non, pour ceux qui aiment le litchi, si on aime le litchi, c'est vrai que c'est bon. Alors, il dit. Ah, le litchi, je prends pas trop après. Voilà, litchi, c'est pas mal. Bon, c'est très peu sucré. Leurs limonades sont très très peu sucrées comparé aux sodas qu'on peut boire en France, en Europe, même aux États-Unis. Voilà, c'est très très sucré. Donc, c'est meilleur pour la santé de boire ça, les amis. Ensuite, alors, c'était à qui de choisir? C'est à moi, parce qu'elle avait choisi boisson. Ok, bah on va choisir sa boisson, alors à moi. Ah, et nous, on choisit qu'à nous. Bah, nous, on choisit pas, nous, on subit, nous. Nous, on subit. Oh, pas de crevettes, quand même. Allez, crevettes. Corentin, mais il faut tout goûter, de toute façon. Il faut tout goûter, ouais. Si, alors... celui-là, ouais, ouais, ouais. Non, non. Non, ouais, ouais. Non. Non, non. Oui, non. Non. Alors? On n'influence pas. Oui, 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 oui. Ah, ça. Ouais, allez. Allez. Alors, fais voir. Ça, ce sont des Honey Flavored Sweet Snacks. Alors, ce sont des snacks au miel. Maya l'abeille. Alors, ça, ça vient de... Ce sont des craquelins au miel. Maya l'abeille. Maya l'abeille, ouais. Alors, ce sont des craquelins au miel. Mais je vois qu'il y a marqué pomme aussi. Miel et pomme. Miel, c'est la pomme. Et ça vient de Corée. Alors, allez. Hop, on y va. De ces deux. Ça pique ou pas? Corée du Sud. Ah non, c'est au miel, Océane. Ça pique pas le miel. Ah oui. Le miel, c'est du sang. Les abeilles, ça pique, mais pas ça. Ça sent les chips. Ouais, ça sent les chips. Moi, j'aime bien sentir parce que du coup, on s'attend. Des fois, suivant ce qu'on sent et ce qu'on goûte, c'est pas pareil. Alors, oh, c'est trop bon. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est tout soufflé. Ça, c'est bon. Trop bon. On dirait les miel pops. Ouais, on dirait les miel pops, ça. Mmh, trop bon. Ouais, ça, c'est bon. On dirait des miel pops. Ça, c'est bien, ouais. Moi, j'en prends. En vrai, ça, c'est soufflé. Moi, j'ai bien c'est du miel. On sent bien le miel, hein. Contrairement au miel pops, c'est plus miel. Il y a plus ce goût du miel que du miel pops, mais ça ressemble au miel pops. C'est bon. C'est super bon. Ça a le goût du miel pops. Il sent bon. Figurez-vous qu'il mange ça à l'apéritif quand même. Nous, on mangerait plutôt ça le matin ou voilà. Mais il mange ça à l'apéritif. T'en veux? On en mangera tous les matins. Ah, Océane choisit. Alors ça, franchement, c'est super bon. Alors toi, tu as choisi quoi? Alors des Pringles. Alors Oyo. Alors il existe. Alors ce sont des Pringles sauce soja. Voilà. Ça vient de Chine. Il y a aussi goût piment doux, curry thaï, sriracha et wasabi. Voilà, donc nous on a choisi non, celui-là. Quand même. On a choisi celui-là, mais il y avait tous les goûts au magasin. Mais bon, peut-être pour une prochaine dégustation. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous voulez une autre dégustation de produits qu'on va acheter au magasin. Alors, on joue. Oh, tiens, papa. Ils sont costauds, les Chinois, dis donc. C'est pour ça qu'ils font du karaté d'ailleurs. Ouais. Même j'en fais du karaté. Encore en train de faire du karaté, oui. Oh bah Océane, elle s'est précipitée sur la boîte. Océane adore les Pringles, Corentin aussi, on est des fans de Pringles. Moi mes préférés c'est au... Je pense que ça goûte du magie. Poivron. Ouais, ça goûte de la sauce soja. Bon, bon, oui.
Non, c'est bon. Non, ça a le goût des cubes. Ça a le goût du magie. Ouais, du magie ou des petits cubes là. C'est bon, maintenant ils vous diront. Ah, tu sais, les cubes fromage, c'est l'apéritif d'un fromage. La même goût. Cube au fromage. En fait, chacun trouve son goût dedans. En fait, c'est un goût un peu de tout et n'importe quoi. Non, mais c'est super bon. Ça, c'est bon. Bon, ça ressemble au produit de chez nous. Ouais, ça ressemble au produit de chez nous. Bon, on n'a pas ce goût-là. Par contre, je suis en train de voir que c'est. Je sais pas. Avec du sucre. Du sucre et des édulcorants. Peut-être que ça existe, hein, soja. Voilà. Je sais pas si c'est édulcorant. Maintenant, j'ai jamais vu. Mais bon, bah, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu. Et ça me donne une idée d'essayer de faire des Pringles en recette. Non ? Bah, dites-nous dans les commentaires si ça vous plairait d'avoir une recette des Pringles. Papa a choisi ça. Donc voilà. Alors, ça, ce sont des bonbons traditionnels chinois. M'a-t-on dit. Alors, c'est au tamarin qui est apparemment une plante. Voilà. Donc, ils ont fait des bonbons. Un dérivé du romarin. Non, pas du tout. Alors, attends, on va essayer de faire ça. Peut-être, hein. Alors, c'est le goût du romarin. Hein. Peut-être, hein. Alors, je sais pas si vous connaissez le tamarin. Tamarin. Non, tamarin. Voilà, ça y est, on a enlevé le petit scotch qui nous embêtait la vie. Et arrêtez de manger, les garçons, là-haut, ils mangent tous les paquets, les gros gourmands, non. On les goûte. Vous les goûtez, ouais. Ouais, vous les goûtez ou vous faites le goûter Hein? C'est des petits beignets. Vous les goûtez. Ah, vous faites le des goûter. Des mini beignets. Alors, hop. Alors, à quoi ça ressemble? Ouh, ça colle. Ça colle. Donc, voilà, ça ressemble à des petites boules, des crottes de nez au sucre. Merde. C'est ça. Tu vois, papa, on a pas les. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ça pique. On a de la pâte de quoi. Mais. Moi, j'ai. Ah non. On dirait des raisins secs, mais qui sont acides après et ça pique. Ah ouais. Ah, mais ça pique. Ouais. Ah non, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout. Oh, c'est grave. Ah, il adore lui, mais il adore tout. Non, t'as raison, c'est du raisin. C'est du raisin séché qui a pourri. Alors, on va peut-être pas continuer avec une boisson là parce que là. Ah, moi j'aime pas ça. Ah, moi non plus. Ah, ça j'aime pas du tout. Moi j'aime pas du tout. C'est très sucré, c'est acide, ça. C'est même salé. C'est même salé. Après. C'est salé, c'est salé. Ah, c'est ce que j'ai fait. Il y a tous les parfums. C'est sucré, salé, piquant. Non, mais par contre, c'est surprenant. Bah, c'est un si petit truc comme ça, c'est pas très surprenant. Ah, j'aime pas du tout. C'est à toi? Ouais, bah c'est à toi, mais choisis quelque chose. J'aime pas du tout ça. Ah oui, non, c'est à Corentin. Oui, parce qu'elle a choisi ça. Il a sauté son tour. Mais en même temps, il n'y a plus que ça. Vas-y, Corentin. En même temps, il n'y a plus que ça. Il y a aussi les boissons. Bon, faire passer, ah ben, je vais prendre ça. Ouais. Bon, alors. Ah ouais, l'orange, t'as raison. À l'orange, donc c'est la même que tout à l'heure, mais à l'orange. Ouais, parce que l'orange, ben, au soda, ben, c'est doux. Allez, vas-y. Non, moi, je m'en retiens. Le vers toi, on va pas vers nous, hein. Ouh, là, pète un coup. Ah, il a tout le gaz. Il a tout le gaz. On a cru qu'il allait... Il a cru qu'il allait... Peut-être qu'il y a plus de gaz à l'intérieur. Pégase-moi, il a pour des... D'ailleurs... c'est moi qui a changé. Ah, ça c'est bon, c'est que pour papa, c'est bon. Impeccable. Prenez les autres, vous. Voilà. Santé, on dirait du Fanta. Regardez les enfants, regardez. Allez bien. 1, 2, 3. Ah, mais ça coule quand même. Non, oh là, c'est magique, hein. Magique. Mais non, mais c'est qu'il met trop comme ça. Du coup, après, il y a la boule qui va direct dans le trou. Mais on peut aussi la rajouter. Papa, Tine. Alors, ça a le goût du Fanta ou on a oublié le sucre? Tine. Non. Avec ta... Ouais. Mais c'est plus naturel que le poisson, non? Ouais, je pense. Ouais. Parce que ça. C'est marqué en. Ça peut moins grossir que les nôtres, pense. Voilà, alors c'est de l'eau gazéifiée avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose. C'est pour ça qu'ils ont la ligne. Du sucre granulé, arôme artificiel. Et après, il y a beaucoup moins de E machin, il n'y en a que deux. C'est vrai. Donc il n'y a beaucoup, y a pas de acide carbonique et tous ces trucs-là qu'on peut trouver sur les sodas. C'est beaucoup plus naturel. Voilà, c'est beaucoup plus naturel. Alors mais ensuite. Mais là, on a tout goûté. Non. Non, on n'a pas tout goûté. Non, il reste un. Il est là. Non, il reste de ma carte parce qu'après, il reste ça et ça. Mais non, il a goûté. Alors là, il reste les crevettes. Alors moi, ça me fait penser, hein, franchement, à une soupe chinoise. le packaging. Alors ça vient de. C'est Océane, ça. La crevette. Ah, Océane adore les crevettes, ouais. Ah, ça vient de Thaïlande. À mon avis, ça va sentir bon là-dedans.
On a eu... Waouh, ça sent la nourriture pour poisson leur truc. Et moi oh, c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais souvent, ça pas le bon. Ça pas le bon. Ouh, la poule est trop tête. C'est sûr que c'est... Winky, ça. C'est pas pour le chat. Mais moi, j'ai rien dit. Winky. Pour le chat, ça. Moi, j'ai rien dit, hein. Moi, je... Moi, dès que j'étais bébé, quand je les croquettes pour chien, ça ressemble à des chat. Petits trucs comme ça là. Et moi, j'ai les croquettes pour chien pour Randall quand il était bébé. On donne des verres. Là, on va goûter. Allez. Là, le mien, il est lisse. Mmh, c'est bon. Là, le mien, il est lisse. Mmh. Oh ouais. Non, là, c'est bon. Oh, bah, regarde, c'est bon. Non, ça pue. Ça pue, mais c'est bon. Ah non, mais c'est super bon. Ah, mais j'aime bien. Ça n'a pas le goût de la crevette. Ça doit être pu, c'est horrible. Ouais, mais ça a pas le goût de la crevette, non. Par contre. Pas du tout, ça a le goût des crackers nature. En fait, les gâteaux apéritifs soufflés, là, tout nature. Non, c'est rien, le chat, il doit adorer. C'est Maisie devant le nez au chat. Chat. Dina. Bah, Dina adore. Les oreilles, grosse. Tu l'as donné. Bah ouais. Tu mets devant le nez, ça, tu vois. Ouais, ça tire. Ah bah, il y a le chien, là. Ah bah, lui, okay. Là. Ok, ok. Doucement. Assis. Viens là, viens. Doucement. Oh. Allez, bah, le chien a goûté aussi, il aime bien apparemment. Il se parle voilà. Avec. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à goûter? Il nous reste plus que deux boissons. Voilà. Donc il nous reste la boisson à la fraise. Ou deux, non, une. Ah oui. Ah, et la boisson au melon. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Fraise. Fraise. Allez, bah fraise alors. On y va. Hop. Hop. Oh quoi? Il en regarde. Non, tout ouvert parce que moi j'en ai encore. Non, ah bah attends, d'un seul coup je bois. Oui, moi. C'est à quoi ça? Ça c'est à la fraise. En chant que je vais pas aimer moi parce que j'ai pas trouvé. Mais si t'as ouvert c'est quoi? C'est pas fraise, ouais. Les boissons à fraise j'aime pas trop. Hop, 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 hop. Trop bon. J'ai bu d'un coup. Oh là là, c'est pas bizarre. C'est sympa la fraise. Hein. Ça sent pas la fraise. Ok. Ah, il y a le chien qui veut venir avec nous. Ah bah il est là sous la table. Il est sous la table. Oh bon, coucou. Coucou, voilà. Mais j'allais me débaigner, c'est du bien. Ah ouais, ça, c'est ça, une dégustation goût, hein. En famille là. T'aimes bien toi? Ça, ça a pas trop de goût, hein. Même le chien, même le chien. Mais après, on sent pas. Hein. Ok. Tiens. Ah après, on sent pas, ça a pas trop de goût. Ouais, non, par contre, ça a un sale goût derrière. Non, croquette. Ah, moi, j'aime pas. Oh, c'est sympa la fraise, je trouve. Le chien est comme ça là. Non, c'est pas. Ça pas, on ne donne pas. On ne donne jamais de soda au chien, hein, quand même. Oh, jusqu'en haut. Il veut goûter le melon. Ah là c'est du ah moi j'aime bien moi goûter un le melon. Un petit bout, un petit bout. Moi je soif. Regarde. C'est un petit bout. Ouais, tu me prends mieux. Ouais mais ça la bille elle s'est mis au milieu. Ah oh c'est joli. Regardez comme c'est joli. T'es Océane. Océane t'en as? Non elle en a plus. Non. T'as plus fraise dedans. Si. Elle aime pas la fraise, elle aime pas. Ah. Tiens, goûte celui-là. Pour le moment, moi, mon préféré, bah, je pense que c'est l'orange. Par contre, de long. Corentin, il est en train de faire un gros repas. Donne-moi ça. Il est en train de faire un repas aux crevettes. Un melon, ça n'a pas le goût du melon. Non. Voilà. Bon. Ouais. J'aime pas, moi. C'est bon. Si, moi, j'aime bien. C'est le seul à la limite que j'aime, moi. Mais ça vous de rien, l'eau gazeuse. Ouais, bah mets dedans si tu veux. Ouais, ça vous de rien, ouais. Ça a bah, le goût sucré. Ça a le goût l'eau gazeuse sucrée, ouais. Ouais. Ah, voilà, ben bah, voilà, bah, on a terminé la dégustation. Ouais, on l'a terminé. On l'a terminé. Alors, apparemment, alors les loulous, ça leur a plu. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré de tous les produits, vous? Ça. Ça. Moi, c'est là. Moi, tout. Ça, pour qu'on vende. Non, pas tout. Ceci dit, la prochaine fois, moi je propose quand même charcuterie de l'Aveyron, hein, dégustation. Ah, c'est facile. Saucisson, jambon cru. C'est facile. Non, il y a plein de charcuteries différentes. Le papa est gros gourmand de charcuterie, en fait. Voilà. Mais et papa, Antoine, qu'est-ce que t'as préféré, toi? Les Pringles et, les, et ça. Et ça. Corentin, s'il te plaît. Et ça. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Au petit déjeuner ou devant la télé le soir. C'est très bien. Ça, c'est, ouais, ça moi aussi, c'est ce que j'ai préféré en fait. Mmh. Et après, les boissons, il n'y en a aucune vraiment que j'aime bien. Ça, hein, j'aime que la... Non, plus un rookie, mais non, plus un rookie, le pauvre.
Alors non, ouais, moi ce que j'ai préféré c'est ça. Ouais. Oh, non, de tout petit, j'aime bien aussi les petits pois là. Si, les Pringles. Oui, ça oui, oui, c'est vrai. Mais bon, ouais, mais ça, on connaissait. Préféré, c'est ça. Ouais, mais ça, moi je connaissais, ça moi j'en mangeais beaucoup avant. Ouais, ça. Ouais, papa mange souvent des choses au wasabi, notamment avec ton tour Roland. C'est, voilà. J'avais vu le petit copain, il a mangé en même temps. Parce que c'est meilleur, c'est plus fort. Alors les petits copains, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bah, dites-nous quel produit vous avez préféré, si vous avez déjà acheté des similaires, si vous aimez ou pas. Si vous aimeriez d'autres vidéos de dégustation comme ça, où on va dans un magasin, et puis soit ça peut être libanais, ça peut être d'autres magasins russes, etc. Et on achète des choses qu'on déguste en vidéo. Parce que je trouvais que c'était sympa de faire travailler les petits commerçants du coin. Et puis, si celui vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit... Un petit pouce comme ça. On dirait des croquettes. Un os. Et si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas déjà fait? Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao. À la prochaine, les amis. Ciao, les croquettes. Et puis dites-nous si vous voulez voir le papa dans des vidéos de dégustation. De saucisson, de charcuterie. Non, challenge. Ciao, les croquettes. Bisous, les amis.